Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, juste pour vous montrer comment j'ai organisé mes pochettes pour faire mes cartes de Noël. Donc, vous savez, c'est les petits blocs qu'on a eu. Je crois qu'il en est ressorti cette année. Moi, j'en avais 5 de l'année dernière que j'avais acheté, donc du coup, après Noël. Et vous savez, c'est ces blocs où vous avez la petite carte et tous les die-cuts qui sont à côté pour faire les cartes postales. C'est des blocs qui sont carrés comme ça et qui viennent de chez Action. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué des petites pochettes avec 12 pochettes à l'intérieur. Voilà, donc ça donne ça. J'en ai fait 5, hein, puisque j'ai 5 blocs. Et en fait, sur chaque petite pochette, j'ai mis les images qu'il y avait sur la page de garde des blocs. Et derrière, j'y ai collé donc toutes les petites cartes qu'on peut trouver à l'intérieur à fabriquer. Voilà. Donc en fait, du bloc, il ne reste plus rien. J'ai fait des petites pochettes simples, hein, avec des scratchs ici. Et du coup, à l'intérieur, je vous montre ce que ça donne. C'est des soufflets. Voilà. Et dans chaque soufflet, voilà, ça nous donne ça ouvert. Hop, faut que je remonte un petit peu. Voilà. Oups, ça tombe. Ça tombe. On va le rapprocher. Voilà. Ça nous donne ça quand c'est ouvert. Et dans chaque soufflet, en fait, vous avez une carte. Donc la carte, le fond de carte, comme ça. Et tous les petits die cuts qui vont avec. Moi, j'ai déjà enlevé tous les petits trucs. Vous savez, quand vous les défaites, que c'est partiellement, que c'est prédécoupé, vous avez toujours un petit bout, un petit machin qui traîne là. Donc moi, je les ai tous enlevés dans toutes les cartes. Ce qui fait que le jour où je veux faire une carte, eh ben, j'ai plus qu'à piocher dedans. Je regarde celle que je veux. Et je ferai un petit point quand j'en aurai fait. Et après, ben voilà, j'ai plus qu'à piocher dedans et tout est quasiment prêt. Ce qui fait que vous pouvez faire votre carte en 5 minutes, la carte, elle est faite. Voilà, donc c'est tout simple. Hein, c'est avec une feuille 30-30, j'ai fait la pochette. Là, ce sont les scratchs que vous trouvez chez Action. Voilà, les scratchs, les velcro que vous trouvez chez Action. Donc, il y avait 12 feuilles par bloc, donc j'ai fait 12 pochettes, et ça c'est du papier d'imprimante, donc c'est du 80 grammes. Voilà, ça suffit largement, vous avez les 12 pochettes, les 12 cartes que contient le bloc. Bon ben voilà, on a été un peu coupé, j'ai eu un appel téléphonique, donc voilà, donc je vais vous montrer les 5 que j'ai faites. Donc il y a celle-ci, ce sont ceux de l'année dernière, et derrière il y a les petites cartes, voilà, c'est les modèles, hein. Après vous n'êtes pas obligé de suivre les modèles. Ensuite il y avait celui-là. Donc, vous voyez, c'est des pochettes vraiment simples, faites avec une feuille 30-30. Et sur la feuille 30-30, il me reste un petit carré comme ça. Et bien, ce carré, je peux m'en servir pour faire une ATC. Ou, ben voilà, je pourrais m'en servir de toute façon. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et j'ai pensé qu'après, que j'aurais dû prendre du papier de Noël, puisque c'est les cartes de Noël, celle-ci. Voilà. Après, là, j'ai collé avec du double face. Comme ça, je peux l'enlever plus facilement. Si jamais, bah, quand c'est fini et que j'ai un autre bloc. Ensuite, il y a celui-là avec ces petites cartes-là. Et pour terminer, il y a celui-là avec ces petites cartes-là. Voilà. Donc, voilà, simple. Hein. Une feuille 30-30, 12 feuilles à 4 de 80 grammes d'imprimante, de la colle ou du double face et un bloc. Deux die cuts et deux petites cartes. Voilà, bah, c'était une petite vidéo rapide. J'espère que ça vous donnera des idées. Ou si ça peut, pour s'organiser, franchement, c'est bien. Voilà, après, c'est rapide pour faire la carte. Enfin, moi, je suis contente d'avoir fait ça. Par contre, ça prend du temps, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !